Finalité intégrale. Configuration. Mais comment on va là? Hop, tu vois juste que je crois. Non, il existe. Donc maintenant, si ça, je peux fermer. Ok, on va être bon. Ok, parfait. Quand tu veux. I'm ready. Oh bah je me mute du coup. Bah tu te mutes et tu commences. Et j'attends dans le hall. Ouais, tu te mets surtout les. Tu te. Enfin, tu te bouches les oreilles en gros, tu sur Discord. Ouais, t'inquiète. t'inquiète. Allez, hop. Et salut Demensen, salut. Alors, hop. On va aller voir les petits messieurs. Hop. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Montre-moi le Saint Graal. Voilà. Impeccable. Impeccable. Hop. On fait ça. Et puis voilà. On va faire un petit test d'abord. Alors, chat. Test. Impeccable. Allez hop, let's go. Allô? Oui, allô, le Barry? Allô? Tu m'entends? Est-ce que c'est toi Barry? Ouais. Oui, c'est moi, tu m'entends? Mais. Attends, t'es où là? T'es où là? Je suis dans les locaux de la banque. Attends, je descends. Où est-ce que t'es? Salut Casanova. Salut. Attends. Descends dans le hall de la banque, j'arrive. Hein. Oui, je descends.
Ah, j'ai quand même l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ouais, merci Kel pour le follow. Attends. Ah. Voilà. Tu peux pas, peut-être t'as savoir. Ça comment va? t'as fait plaisir de te voir. Comment Ça tu va, vas. t'arrives à parler? T'es Comment. bu. Ouais, je comprends, t'es bu, t'es Non, bu. c'était pas facile pour moi, t'expliquerai plus tard. Oh la vache. Comment ça va toi? Pourquoi t'es là toi? Bah, comment dire, c'est compliqué. C'est comme. Ok, tu veux pas Pourquoi. qu'on aille parler Y a pas de tu veux soucis. pas qu'on aille parler dans les bureaux plutôt? Ouais. J'ai vu ton annonce là, du coup, j'ai faut que je vienne absolument là. Ouais, attends, on va aller dans les bureaux, on va parler de tout ça. Ah, ça me fait plaisir de te voir. T'imagines même pas. Pas tout ce que j'ai vécu là, ça me. Oh la vache. Mais tu Excuse-moi, sens hein. chaud, mais tu es ému là, tu es ému. Oh là là, faut que j'arrive à chialer là. Y a pas quelqu'un qui a des oignons là, faut que je chiale. Vas-y, rentre. Oh là 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 là. Pour Bon, l'affaire courte, en fait, vas-y. tu te rappelles du capitaine Kyle, Du de la capitaine. sœur de garçon. Tu te Bah. rappelles de... Oh, c'était gentil, mais. C'était. Bon. Oh, pardon, Monsieur, excusez-moi. vous faites quoi Bonjour, là? monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, Pa monsieur? pardon, je suis C'est un désolé. établissement privé, monsieur. Hein. Je vais vous demander de Ah. sortir immédiatement. Hein. Y a des gens irrespectueux ici. C'est n'importe quoi, connard. Pardon, Ah oui, excusez-moi. c'est n'importe quoi. Ouais, attends, bah, Non je vais appeler le service technique, je vais qu'il fasse réparer la porte. Hein. Ah, ça trouve j'ai la toilette, c'est meilleur quand même, hein. Ah putain, il y a 5 minutes d'attente au téléphone. Bah, tant pis. Hein. Encore des incompétents de français. Et t'es toujours incompétent, mais tu sais, les Français sont pas si cons que ça, hein. J'espère être la Ah preuve, hein, oui, quand oui. même. Hein. Bon. Alors, pour t'expliquer, tu te rappelles du capitaine Kyle, de la Oui, sœur bien de ce sûr. garçon? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tu te rappelles. Ah oui. Bon. Pour faire simple, tu sais, ils ont disparu. On les voyait plus, on les entendait plus. Oui, je suis parti de la SPD et puis après, Ah oui. pouf, plus rien, hein. J'étais plus rien Ouais, du tout. pareil. Apparemment, ils étaient toujours officiellement à l'SPD, mais ils étaient plus là, je sais pas, ils avaient disparu, etc. Enfin bref, un gros C'était la bordel. merde. Bon. En fait, j'ai reçu Qu'est-ce qui va de sortir encore? juste quand on était en train de vendre, tu sais, quand on avait signé le papier pour Ouais. les sièges à la banque, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché et il s'est avéré que c'était Kyle Garcia qui m'appelait depuis ici. Et il m'appelait en me disant, en m'expliquant tout ce qui s'était passé pour eux, comment ils avaient dû fuir, qu'ils étaient partis. Qu'ils avaient marre et qu'ils étaient venus ici, où Kyle avait été muté, et du coup Ariana l'avait suivi. Et du coup, ils refont leur vie ici. Et donc, Kyle a repris le poste de capitaine. Ariana, je sais pas trop. Enfin, voilà quoi. Et après, ils m'ont invité ici. Ils m'ont dit que il y a le gouvernement qui cherchait à chercher un nouveau gouverneur à élire. Donc, ils m'ont Oh putain, il a contacté, une ils m'ont sale dit tronche par contre, hein. ce Oh, poste m'intéressait parce qu'ils oh me la vache. connaissaient et voilà. Ils pensaient que ça m'intéresserait. Ah c'est Donc, vrai. moi, sur le coup, j'ai fait. Ah bah oui, forcément. J'étais un peu surpris. Et Bah puis, j'ai tu dit, m'étonnes, bah j'ai oui, dit c'est que j'allais clair. faire à Los Santos. Enfin, je peux pas partir comme ça, je peux pas laisser la vie. Ah Et bah non. Ah bah lui, par contre, ça en va. fait, j'ai été. C'est compliqué à dire. Exactement. C'est compliqué à dire. Et on m'a forcé la main. T'as forcé la main. Qui t'a forcé la Ouais, main? effectivement, Qui t'a forcé la main? Pardon. le gouvernement de Los Santos m'a forcé la main. Et il m'a incité fortement à partir, ne sachant pas l'offre que j'avais sur la table en fait.
disaient qu'ils avaient peur qu'avec l'assurance et la recréation de mon cabinet avec un nouvel avocat, ils avaient peur de perdre le contrôle de la ville et l'autorité absolue qu'ils avaient. C'était un petit Ce peu qui m'a ce fait qui était comprendre. un petit peu dans l'objectif aussi. Ah oui, effectivement, c'était complètement dans l'objectif. Et du coup, voilà, ils ont voulu me faire dégager. Et au vu de l'offre et au vu des pressions qu'ils m'ont mises, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'est de partir. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps, j'ai été directement poussé dehors. À partir du moment où j'aurais dit que je considérais leur offre, j'ai été poussé dehors et ils m'ont supprimé tout moyen de communication. Donc j'ai cherché un moyen de te joindre, mais je n'en avais aucun. Aucun. Oh là Ils là m'ont là là tout enlevé. là. Il s'est passé un concours de Et la circonstances dernière chose que j'ai incroyable. pu voir, c'est le message que tu as mis comme quand tu quittais le centre social. Ah oui, mais l'histoire est tout autre. Ah, je suis désolé. C'est un peu. C'est un peu frais tout ça. Bon, je vais t'expliquer du coup ce qui m'est un petit peu arrivé aussi. C'est un peu compliqué. Comme tu sais, je suis retourné du coup en France pour mon père. Qui était mourant, et quelques jours après que je sois revenu, il est mort. Ça va, t'arrives pas à parler, ça va? T'as besoin C'est d'un peu d'eau peut-être. Attends, je vais chercher de l'eau, je vais chercher de pas, l'eau. peut-être pas facile. C'est pire. Mais tiens, un verre d'eau, ça va te faire du bien. Ah, merci. Merci. Oui, comme je le disais, mon père est décédé, et en sortant de l'hôpital le soir pour rentrer chez moi, Toutes mes condoléances, hein. si, Toutes mes condoléances. si, Je sais à quel point il si, comptait pour toi et à quel point il t'avait aidé dans c'était. toute ta vie et comment il t'a supporté. C'était le dernier de mes parents, sachant que ma mère était déjà morte à mes 16 ans. Mais ça va le C'est faire, très dur. ça va revenir, Ça a dû t'inquiète être pas. très dur pour toi. Ça a dû être très dur. C'est le problème, c'est que c'est pas la chose qui m'est arrivée. Je vois que tu peux comprendre qu'il Alors y a comment quelque ça? chose qui soit arrivé depuis. C'est assez compliqué. Rentrant de l'hôpital, j'ai attrapé accident. J'ai attrapé Ah accident ben, avec un il t'est camion arrivé quoi? en voiture. Je me suis réveillé une semaine plus tard. Et les médecins m'ont annoncé pas mal de choses. Que dorénavant, je Qu'est-ce qui boiterais t'est arrivé? comme ça à vie. Je pourrais pas remarcher normalement. Ça me fait pas mal, hein, mais je peux pas remarcher Ah normalement. merde. Ah C'est la ça merde. t'as le problème. Et surtout, ils ont trouvé que j'avais un problème psychologique. Quand j'ai Psychologique. Mais des tu es fortes très sain émotions, d'esprit, hein. des Je forts. te trouve très sain d'esprit, hein, tu sais. C'est pas ça le problème. Pardon. Quand j'ai des forts pics d'émotions comme actuellement, des souvenirs douloureux, je commence à bégayer et à dire quelques grossièretés. C'est assez compliqué à vivre comme ça. Ouais, je comprends, c'est humain, ça c'est normal, tout le monde Mais fait ça, tout le par monde contre, se je fais pas méconnaît exprès, hein. énormément. Je fais pas exprès. Hein. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ok, ah bah très bien. Il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des pics émotionnels, quand tu pleures ou j'ai peur ou tout comme ça, c'est assez compliqué pour moi. Vraiment désolé. Donc voilà. C'est pas grave, je comprends. En gros, pour faire ça, peut-être t'allais savoir les gilets de la tourette, c'est ça? C'est ça, mais j'aime pas trop parler comme de la tourette comme ça. C'est plus compliqué que ça. Et t'inquiète pas. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. C'est insupportable. Bah, du coup, tu sais, j'étais revenu du coup ici. Voilà, attends, j'ai calmé un petit peu là. J'étais revenu du coup ici pour lancer notre entreprise du coup de services d'assurance comme j'avais lancé dans la précédente
précédente ville. Malgré qu'elle ait été rachetée, je voulais cette fois-ci en faire une vraie, du coup, comme je voulais la faire à mon image et comme je voulais. Hein. Ouais, je comprends. Et du coup, t'es venu ici comme ça par hasard. Du coup, surtout que j'ai voulu revenir du coup aux États-Unis et j'ai eu vent de cette ville, comme quoi il faisait bon vivre et que voilà, ça serait propice du coup pour ce business entre guillemets ici quoi. Donc du coup, j'ai pris mes valises et comme j'avais plus que ça de toute manière, j'ai tenté le tout pour le tout. C'était soit ça, Ah, je vois. soit un destin un peu plus Ah, je vois. funeste. Donc voilà. Comment tu vas revenir là-dessus? Oh. C'est malheureux, mais bon, j'ai pas ça qui a la chose à faire, c'est d'avancer. Hein. On va pas ressasser le passé. J'ai On va clairement pas pas envie rester de rester bloqué sur le passé. Je dans le veux passé. clairement pas, Voilà. clairement pas rester là-dessus. Alors, Prouver à tout le on va monde que je suis avancer vers le capable de futur. faire, voilà, vers le futur, là, tout là-bas, tout Exactement. là-bas, tout là-bas. Et Exactement. enculer le passé. Pardon. Voilà. Ah Je pense ouais, que vous non mais pouvez pas si être je plus suis clair. d'accord avec toi, on va l'enculer ce passé là. Hein. On va enculer tous ces banquiers, tous ces tels esprits corrompus, tous ces gouvernements de merde. On va tout Attention, foutre, attention, les niveau banquiers pression sont pas si monopolie. mal, les banquiers. Hein. Ah ouais, non mais il y en a certains quand même qui étaient bien pourris. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, bref. On parlera pas d'Exxon. Hein. Bon. Pardon. Du coup. Ah non. Ah non, on parlera pas de ça. Bon, du coup, pour faire simple. Voilà l'offre qui m'a été donnée. Pour le moment, la transition du pouvoir est en place, etc. Donc, je deviendrai peut-être le gouverneur, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. C'est un projet en cours, voilà. D'accord. Et c'est sur le côté de la table, sur le coin du bureau en attendant. Par contre, Oui, bien sûr. ce qui est maintenant officiel, c'est on va confier la gestion de la Pacific Bank de la ville en entier. D'accord. C'est pas trop Et dur? voilà. Donc, ah bah, je t'avoue que j'ai bien de prendre mes fonctions. Hein. J'ai rendez-vous tout à l'heure, on va te donner tout, tous les papiers, etc. La douane. Donc voilà. Je suis maintenant officiellement le PDG de la Pacific Bank. Sachant que toi tu veux continuer, j'y vais. Tu veux donc Là, continuer clairement, d'instaurer je vais instaurer mon entreprise l'assurance. d'assurance coûte que coûte. Hein, Ah bah oui, mais absolument, hein, coûte moi que je veux. coûte. Coûte que coûte, voilà. Voilà, et bah ce que je te propose, c'est vu que maintenant c'est moi qui ai les rênes de la banque, et bah de partager ces rênes avec toi. Tu prends la moitié des rênes, je prends la moitié des rênes. Tu montes la LSIS Ce moment. dans la banque, mais en tant que patron. Tu patrons du LSIS, tu patrons de la banque, mais on gère le même compte, etc. On gère la même société avec deux branches qui se valent. Tout simplement. Qu'est-ce que t'en dis? Tu pouvais pas me faire un plus beau cadeau que ça. Ça me Allez, c'est touche bon. énormément. Merci. Ça me Ouais, moi aussi, ça. ça me touche. C'est Je quelque chose t'avoue que j'étais aussi que je beaucoup. voulais Hein. depuis très longtemps et dans cette période, je pensais pas pouvoir te trouver telle opportunité. Je te remercie mais énormément. Et puis, tu sais quoi? Le pire, c'est que le gouvernement nous a donné des fonds de départ. Hein. 135 000 dollars. Oh là Donc, là 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 35 000 là. dollars pour faire évoluer la banque. Et 100 000 dollars pour tout ce qui est remboursement, etc. etc. Oh là 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 là. Oh, j'ai l'impression d'être dans sa rêve là, tu vois. Tu veux pas me pincer s'il te Ah plaît? non, mais. Ouais, tiens. Aïe! Mais ça va pas? Ouais, ça va, j'ai tapé de Mais. pousser. Ouais, j'ai tapé de pousser. Mes lunettes, elles sont où là? Je vois plus grand chose là. Hein. Ah bah, elles sont juste là, Elles t'as oublié ça. sont où Hop. mes lunettes là? Bah, elles sont là par Bah. terre. Tiens, Ah oui, hop, je te les peut-être. remonnais. Voilà. T'as vu? Impeccable, Bertie. Merci, merci. Bon. Allez.
Bon, Bah du coup. alors attends que je te montre un peu le bureau, hein, du coup. Ah bah oui, faut montrer. Et mais du coup, y a pas C'est de deuxième le bureau? bureau. Ah si, si, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah ouf. Alors, ça c'est le bureau principal. En fait, pour des raisons de sécurité, il n'y a que Allez, ce argumente, PC-là argumente, argumente. qui est connecté au sous, hein. Ah bah oui, bien sûr. Il n'y a que celui-là. Donc ici, tu as l'imprimante pour imprimer tout ce qui est les contrats, etc. Bien Et pour sûr. imprimer les factures à signer. Là, tu as les stylos pour signer. Là, tu as toutes les feuilles pour l'imprimante. Donc là, tu as le PC sur lequel tu peux gérer les comptes. Tu peux gérer depuis. J'ai aussi, du coup, tu peux installer. Je vais t'écrire tout à l'heure toute ta session. Comme ça, tu pourras installer ton logiciel pour le LSIS et gérer tous tes comptes depuis là. Donc, le logiciel, il marchera sur tous les ordinateurs. Hein. Mais l'accès au compte, par contre, se fait, regarde, via cette application-là. Voilà. C'est celle D'accord. avec le gros coffre-fort. Ah oui, là, d'accord, Voilà, quand celui-là, tu ouais. l'ouvres, tu vois au-dessus du bureau, là, un peu à droite, là, hop, ici, là. Ah oui, d'accord. Ouais, tu dois mettre ton doigt ici, et ça va mettre contre une petite aiguille. Donc, ça fait un peu mal au début, mais après, tu t'y habitues, tu verras. Et ça scanne ton sang et ton empreinte digitale. Il n'y a que toi qui peux, et donc tu fais ça en ouvrant, et Mais ça du te coup, donne faut pas vraiment avoir beaucoup trop de d'heures. clients à faire dans la journée parce que sinon je vais finir blanc comme un cachet à la fin, moi. Ah ben non, 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 parce que regarde, ici, hop, dans ce tiroir-là, j'ai prévu des médicaments et des doliprane et des antidouleurs. Comme Ça ça, hop, serait pas plus simple de et faire une dès réserve que. de sang directement, non? Alors, justement, je pense qu'on pourrait aller voir je pense que c'est la première chose à faire, aller voir l'EMS. Pour leur demander quelques poches de sang à mettre dans le tiroir pour des transfusions rapides. Eh bah oui T'en oui je penses quoi? pense hein. Oui je sais pas, ça serait pas mal hein. Donc Marie? voilà, donc après, tu as accès du coup au système de banque. D'accord. Là, tu peux gérer tous les faux. Bah oui. Donc voilà, donc là, tu peux gérer. Voilà, l'argent est tout de la banque. Donc là, tu vois qu'on a 235 000 dollars. Hop, je m'empresse de refaire le logiciel avant qu'on fasse les conneries. Voilà. Donc, Ah, je j'y dois suis bien faire maintenant. un retrait là. Donc ça, c'est le bureau. Voilà, c'est le bureau principal. Là, tu as le bureau secondaire. Si jamais le bureau principal est occupé pour discuter avec un client. Donc là, il y a le PC et tout, mais du coup, il n'y a pas l'accès au coffre. D'accord. Ensuite, tu as, moi, c'est mes préférés, honnêtement. Hop, ces bureaux-là, ils sont tranquilles, t'es avec le client, Ah oui, t'es c'est sûr que vu sur tout là. le hall de la banque. Ah Là, moi, je les c'est aime bien. magnifique, là. En plus, il y a des petits fauteuils et tout. Moi, pour moi, c'est top moumoute. Ah bah oui, c'est J'ai sûr, le là. chihuahua sur le. Voilà, donc là en plus il y en a plusieurs, tu peux faire passer plusieurs clients. Non, c'est vraiment bien, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Le monsieur sur la sur le cadre ici. Oh merde! Oh, t'es vraiment Il reçoit la colère. grand-père. Oh merde! Ah, je sais pas quoi dire. Je vais les faire enlever, je vais les faire enlever. Bouge pas, j'appelle le service, t'écoute. Oui, bonjour. Oui. Et bonjour, monsieur Docteur. Oui, c'est tu vois votre nouveau patron. Bien, alors, première chose que j'ai à vous demander, vous voyez l'entrée secondaire à l'étage principal, oui, celle-là. Et voilà, dans les escaliers, il y a un grand tableau éclairé. J'aimerais que vous le changiez de suite. Hein. Vous mettez à la place de ça un logo du LSIS. Ah oui, Le LSIS, qu'est-ce que c'est? t'es bien ça. Ah oui, non. Ah oui, je vous enverrai une photo. Ouais. Vous me remplacez celui-là. Alors vous le mettez à la cave, le tableau. Ah, bonne journée, monsieur. Ouais, on se reparle bientôt. Et au revoir. Bah, c'est bon, c'est réglé. D'accord, On va le merci. changer. Hein. On va mettre un beau logo. Hein. Un beau logo du Un beau beau LSIS. logo, hein. Donc voilà. Alors, attention, du coup, là, on peut sortir comme on veut, mais pour rentrer, donc là, il y a un petit digicode, hein.
rack qui fait mal, hop, tu tapes le digicode, hop, c'est beau, c'est réglé. Clac, clac, d'accord. Zoubi, zoubi, hein. Ah, faut faire un bisou sur la porte. Ah, ah tu peux, hein, tu c'est peux. Bon. Ça permet de l'entretenir. Hein. Non, mais tu sais, c'est les femmes de ménage, non DJ, pareil. Bah. C'est les femmes de ménage qui entretiennent la porte d'habitude. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc là, pareil. Petit digicode, hop, clac, clac, clac. Tout, 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 tout. T'as pas besoin de Zoubi. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et je passe la tête à travers, donc c'est pour ça. Écoute, tiens, tu vois. Donc là, après, c'est des bureaux, mais ça, c'est pour le personnel de Bafo. Ah, bah oui, oui. Ça bat les couilles, hein. Bah, bah, bah oui, contre, c'est sûr. Une grosse imprimante là. Et une fontaine à eau là, si j'avais ta soif. Bah ouais. Et là, t'as plein de. T'as tous les stockages papier des contrats. Ok, si jamais t'as besoin de retrouver une édition papier de contrat, tu les retrouves en. Salut Aurel. Ah, d'accord, d'accord, y'a pas de soucis. Voilà. Salut, salut Aurel. En fait, c'est un ascenseur. On m'a dit qu'il marche plus depuis 1978. Ah, donc, t'es quand même assez vieux quand même. Hein. Ah non, mais le bâtiment est super vieux. Il est très bien entretenu, comme tu vois. Ah bah, il y en a qui ont pas mal fait de bisous, du coup, visiblement. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, regarde ça, par contre. Donc, ça, c'est pour accéder au coffre. Donc là, tu dois taper le digicode. Et regardez, il y a un scanner d'iris. Hein. Attends, pousse-toi. Hop. Ouais, voilà. Ça va pas s'ouvrir parce qu'il n'est pas encore rentré ton dossier. Hein. Ah, bah, ça veut pas. Hop, regarde. Hop, tac, 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 tac. Alors si tu sais pas en fait, on a quitté le serveur du coup Five Life, donc le serveur où j'étais habituellement, pour partir en fait sur un autre serveur, donc là, un serveur avec des gens qu'on connaît, donc des fondateurs qu'on connaissait déjà du serveur Five Life. Donc là, il y a pour faire un truc complètement nouveau en fait et recommencer vraiment quelque chose de propre PC, avec un staff PC, présent. Pareil, ne relié à rien à part au système de sécurité du coffre. D'accord. Comme ça, il ne peut pas être accédé à distance, etc. Là, c'est les archives. Des documents les plus importants. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc là. Donc j'imagine que tous les archives concernant nos deux comptes en banque sont dedans. Hein. C'est ce qui est le plus important, j'imagine. Bah, évidemment. Bah oui. Évidemment, évidemment. Donc voilà, ça c'est les archives très importantes. Et là, il y a le coffre-fort. Ah, encore à l'ascenseur. L'ouvrir, hein. Ouais, bah oui, bah c'est celui pour descendre, mais apparemment, vu qu'il était pas assez sécurisé. C'est pour ça qu'ils l'ont pas, remis en fonction. Bah oui, je comprends là. Donc, le coffre, évidemment, je vais pas l'ouvrir pour des raisons de sécurité parce qu'il faut que une présence policière armée. Hein, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, bien sûr. Ils sont appelés à chaque fois que ça s'ouvre. Donc voilà, voilà. Bah voilà, on a fait le tour. Par contre, du coup, je vais hop, t'enregistrer sur le système là-haut. Hop, rentrer ton dossier. Alors hop, du coup, ouais, ce qu'on a fait, c'est que du coup, Barry et moi, on prend les rênes de la banque, du coup. Donc lui, il prend tout ce qui est PDG de la banque et moi, tout ce qui est PDG des assurances. Et du coup, on fait une petite scène là pour intégrer tout ça de façon totalement RP. On va créer ton dossier, tout notre système de sécurité. Tu vas pouvoir installer le logiciel du NSIS. Ah bah oui, bien sûr. Hop. Donc. Hop, je rentre pour mes David Pierce, hop, les informations, je les connais par cœur, clac, clac, clac. Ah, et ouais, la date de naissance alors. La date de naissance, c'est quoi ma date de naissance? Première chose à faire, tiens, voici le papier. T'as pas répondu à ma question, hein. Ah bah attends, déjà regarde le papier. Bah d'accord, je le regarde bien le papier là. Hop. D'accord. Et j'ai fait quoi avec les jolis petits papiers? Ah, je disais, donc ce papier, c'est là où il y a tous les codes, tous les machins. Donc tu les déchires une fois que tu les as tous mémorisés par cœur. Ça veut dire que tous les différents codes, tu vois, il y a tout marqué. Hein. Et pourquoi c'est marqué 1, 2, 3, 4? Ah, ça c'est une technique anti-piratage moderne. Hein. C'était fait par le service de sécurité. Ah bah oui, oui. Bah oui, il comprend. Il joue sur le mental en fait, il joue sur le mental, c'est pour ça. Et il pense qu'ils sont parce pas assez fait, cons pour aller taper ça quand même. Quand on croit 1, 2, 3, 4 que c'est le plus simple,
Mais du coup, on fait croire que c'est le plus simple pour faire croire que c'est le plus simple. Mais T'as vraiment nous, une on tête veut de con, pas croire que quoi. c'est le plus simple en croyant que c'est le plus simple. Du coup, nous, on croit que c'est le plus compliqué. T'as un peu tiré la cheveux par les cheveux quand même, là. Ah ouais, non, mais c'est des études psychologiques. Hein. Eh ben j'espère qu'ils le font. Ils ont fait 10 années de. C'est 10 années de psy hein, pour arriver à de tels raisonnements. Hein. 10 années de psy pour faire ce métier, bah franchement. Je crois qu'ils ont loupé un truc dans leur vie. Ah ouais. Donc, on va terminer tes affaires. Pierce, hop, statut. Hop, directeur des sciences, sexe homme. Date de naissance, 8 novembre 1987. Ah t'es bien. Par contre je connais pas la sienne moi. Et voilà qui est bon. Maintenant, dernière chose à faire. Tu vas, hop, regarde l'écran, regarde la caméra, ça va scanner tes iris, hein, Ah, attends. pour aller accéder au coffre. Hop, voilà. Allez, je lance. Cheese. Allez, ça scanne. Là. Parfait. J'ai une crampe. Ah non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, J'ai une terminé. crampe, j'ai une crampe. Maintenant. J'arrive pas à arrêter de sourire. Aïe. Ça va? Ah, c'est bon. Ah, parfait. Parfait, parfait. Regarde, maintenant, hop, je vais lancer le truc et tu vas devoir mettre ton doigt là où je t'ai dit. Hein? Et D'accord. pour que ça analyse ton sang, etc., et que ça le rentre dans les systèmes de sécurité. Attention, 3, 2, Tu me dis quand t'es prêt. Allez, j'active. attention, t'es prêt. Ça scanne? Vas-y. Voilà, tu mets le bois. Ça pique un peu, hein? C'est normal, la Ça première pique fois. un peu beaucoup même. C'est pas dangereux? Alors, pas du tout, pas du tout. Testé, approuvé, hein? D'accord. Je crois que t'étais pas là depuis longtemps. Faut savoir. Ah Le gros oui, non, mais chien. c'est pas moi qui ai testé, évidemment. T'es pas fou, hein? Ah bah oui, Pas fou, une c'est performance. Jacqueline. Jacqueline. Ah ouais? Ah bah oui, c'est Jacqueline qui a testé. Ouais, je crois qu'elle a fait 1500 fois. Ouais, c'est bon, le scan est terminé. Hop, je vais Ah c'est sympa enregistrer la avec compta, profil. hein. Ah bah ouais. Clac, enregistrer avec profil, clac, clac. Et hop, c'est bon. Par contre, combien de coups Ah, je me suis parfait. pris, quoi. Bon, une bonne chose de faite. Maintenant, par contre, ce problème, c'est vrai qu'il me préoccupe. Je pense qu'il faut mieux contacter les EMS tout de suite. Hein. Par rapport à ce sang là Parce que. que l'on prend là? Ouais, Bah, faudrait une poche de sang. tout à fait, c'est Drôle. sûr, hein. Eh merde, j'ai appelé la ligne d'urgence. Ah, t'es un peu con, hein. C'est un peu con ça. Bon, apparemment, on peut que appeler la ligne d'urgence. C'est dommage. Allez, suivant. Bah, c'est leur problème, hein. Nous, si on n'a pas de numéro pour les arrêter. Ah ouais, non mais ouais. Mais je regarde dans Ah, l'annuaire, merci. j'ai vu ambulance, j'ai appelé. Ah, il y a des bureaux aussi ici. Voilà, c'est pour les plus bas, encore plus bas étages, hein. Ouh. Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne peut venir. Ah bah merde. Il se passe quoi? Et pourquoi il y a une voiture là? Ouais, je pense que tu vas sauter au-dessus comme moi. Hein. On va faire. Alors attends. On va envoyer ça à les Speedy. Attends quand même. Ouais, là c'est pas normal, hein. Là je comprends pas là, hein. J'ai pris une photo. J'ai pris une photo. Madame, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, madame? Ah bah, madame? Oh, le pire, quoi, mais c'est n'importe quoi.
Hop. Mais alors du coup si je fais ça... Qui va envoyer les speedy là j'imagine. Et je reviens tout de suite, je passe juste un petit appel. Hein. Là qu'on va faire genre. Oui, c'est que je peux me procurer une voiture. Ah, je... Bah, au concess. Au concessionnaire. Bah, tu connais... Véhicule personnel ou véhicule de boulot? Bah, au moins un de boulot, ce serait pas mal pour commencer à faire du boulot. Et ensuite, éventuellement, un véhicule personnel aussi. Et je t'avoue que je suis un peu paumé. Parce que j'ai regardé les pages jaunes. Hein. J'ai regardé les pages jaunes, sauf qu'elles étaient toutes vertes. Moi, j'ai tout compris. T'as vu qu'est-ce qu'il est con quoi. En fait, Le vieux magazine, j'avais pas un jardin en l'air. Ouais, ouais, bah voilà. Bah, du coup, j'ai pas pris les pages jaunes, mais les pages vertes. Et ouais, et après, du coup, j'ai cherché les pages jaunes partout en ville. Pas moyen de trouver. Hein. Pas moyen. Et le GPS, il marchait tellement mal que là, ça sert pas à rien. Moi je sais qu'avec les véhicules de service, il faut que tu vois ça avec ta mairie. Avec Ouais. Ah la mairie. Bah, bah, c'est qui ta mairie? Bah, c'est la mairie bah, où t'es passé à la douane. C'est ta mairie ou la mairie? Ouais, la force. Mairie, la vôtre, la tienne, la mienne. Ah d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah oui d'accord. Ouais. Bon bah, ok, on va faire ça. Et sinon, pour le... tu m'as dit qu'il y avait un concessionnaire, c'est ça pour les véhicules de personnes? Ouais, ouais, ouais. S'il y a un vente de. À tes soins, madame. Ah, toi, et tu peux. Ah, ouais, à tes soins, madame. Tu peux dire où il s'achète? Alors. Où il se trouve? Oh là là, mais les pires quoi! Où ta carte? Ouais, mon GPS sur le téléphone, ouais. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? Il se situe au Textile City. N'hésitez pas à participer dans le là, chat, je ne m'en veux pas. Hein. En tout cas, pas encore. Au Textile City. Et sur ton téléphone, c'est normalement c'est une petite image blanche. Une mais de quoi blanche. Il parle? Ah, je vois. Bah, j'ai pour les motos, j'espère qu'il y aura du monde. Et pour les, et motos, pour les motos, c'est au Sampro. Ah oui, qui tient. Ouais. À ton avis. Ah, tu connais le mec qui... Bien sûr. Ah, il s'appelle quoi? Vas-y, bah c'est lui. Je sais que... J'ai pas le droit de le dire, mais je l'appelle chef. Ah, c'est ton chef? Mmh. Ah, bah je croyais que tu possédais tout garde. Pas chef. C'est ton chef. Chef surnom, hein. C'est... Sinon, il est rien pour moi. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est un petit surnom amical.
C'est intéressant. Oh, très bien, ok. Et il s'appelle quoi sinon? Que Je je sais pas. perds ou que je rencontre? Ah, tu sais pas, ok. Non, Oh, non, bah, tu l'appelles j'appellerai chef. chef, il aime bien. Oh, oui. Ok. Tu dis Ah, qu'il ça vient de marche, ma je fais part. ça. Tu dis que tu viens Ouais, de oui. ma part et J'essaie voilà, d'avoir un il va petit essayer. fait. Ouais. Bon, merci, hein. Tu me Ah, bah, dépannes je vous pas en mal. prie. J'avoue Ah, que je tu vous me en prie. dépannes pas mal. Bon. Bon, messieurs. Du coup. Enfin, Ah, peut-être si, est-ce que. madame. Tiens, je vais te Oui? passer mon numéro de téléphone. Oui, je note. Tiens. Hop. Ouais. Alors. Du coup, c'est le 18 642.18 642. Oh, j'ai tellement envie de Ouais, c'est diffuser ça. là l'annonce, la pub là. Oh là là, ça va On envoyer va du en mettre là lourd. tout de suite. Ah, parfait. C'est fait, chef. Ah. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai bien. Ouais, parfait. Et ouais, c'est parfait. Ouais, parfait. Ouais, merci bien. Merci bien, merci bien. Bon. Bon, et si jamais du coup je Ah, mais sais cette peut-être pas si t'as gênance. vu mon petit tweet hein. Mais ouais, du coup j'ai discuté avec le maire etc et il m'a proposé du coup vu qu'il cherchait un gérant pour la banque centrale ouais, de gérer la banque centrale donc je suis Ah. devenu gérant de la banque centrale au vu de mes capacités formidables. Bon, tu les connais quoi, tu me Ah vois, tu oui. vois, c'est un Vous monde êtes de de quoi, un voir, ça buteur fait trois, hein. Je sais bien. Ouais, voilà, exactement. C'est un monde de choses que je peux te faire que de gérer une banque à des centaines de milliers de dollars. Et Oh. Je du pense coup, qu'on peut vous jeter avez des mis. fleurs là. Ah, bah ouais. Ah, monsieur Pierce, vu que tu connais, hein. C'est le même, hein. L'unique, Dave de Pierce. Le Pierce de chez Pierce? Ah, le Pierce de Ah, chez le Pierce, Pierce hein. de chez Pierce. Hein. C'est un pur Pierce. Hein. C'est moi qu'on Et c'est puisse dire, toi. hein. Oh. Ouais, t'as vu, il a changé. Hein. Il a changé. J'ai pas Oh changé du là tout, c'est pas là. vrai, hein. T'es pas vrai du tout. Stresse pas, tout va bien se passer. Non, j'ai pas changé. Toujours le même. Toujours. Toujours le même. Le Ah pire. bah, donc j'ai affaire à vous en 4 crédits, c'est ça? Ah non, pas du tout, Alors, à justement. lui en cas de Justement. crédit et à moi en cas d'assurance, hein. Et le livret, Notre ça se cher passe monsieur comment? Pierce a décidé de voir une compagnie d'assurance pour sauver la ville de son insécurité économique. Je lui laisserai présenter tout ça. Et c'est quoi ce monsieur? T'es marrant, tu veux que présente. Bah écoutez, ouais, bah je lance du coup des assurances. Donc, quand vous avez un problème avec votre voiture, nous on couvre totalement votre voiture selon plusieurs formules. Donc, à voir après le coût mensuel selon votre véhicule. Mais on couvre l'assurance pour les voitures, pour les motos et aussi pour votre sécurité du coup avec la complémentaire santé. Donc, la moindre chose, nous sommes derrière vous, nous vous protégeons et nous vous accompagnons. C'est-à-dire, comment ça pour un véhicule? C'est-à-dire que si jamais vous avez des Quel est problèmes le avec votre problème? véhicule, donc ça peut être n'importe quoi, hein, je vous enverrai si vous voulez notre offre par mail, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous avez un problème de type casse, que vous devez envoyer la réparer parce qu'il y a quelques problèmes, que vous avez un accident, hein, ça arrive street, hein, les accidents. Hein. Ou alors que même pire, votre voiture se fasse voler, on est derrière et on vous accompagne. Ah ouais, non mais vraiment là, toujours pour aider, hein. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Oh non, non, non. Là, tu En t'es cas de quand même. casse. En cas de casse. En cas de casse, en cas de vol, en cas de. Oui, Vous savez bien comme je comment suis fonctionne une d'accord, assurance, mais en monsieur, quand tant que même. mécano. Oui, mais en tant que mécano, ça se passe comment? Pour les casse, hein? Bah écoutez, Bah, les casse, je demande de c'est l'assurance. Facturer. avec vous qui voit Vous ça et. facturez et le client est. Et le client est remboursé par nous si jamais il l'a souscrit à notre Voilà, assurance. c'est ça. On peut faire affaire. On peut faire affaire. Ouais, effectivement, il y a intérêt de prendre contact Parce que de à toute façon, propos de ça. si je pense qu'il y a possibilité d'avoir quelques arrangements avec vous, je suppose, hein, je pense qu'il y a Ah, possibilité tout à de fait, tout à fait. s'arranger. Hein, de toute manière, si vous souhaitez me contacter pour qu'on puisse voir un rendez-vous, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, hein, disponible quand vous l'êtes. Hein. J'en
tac, 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 tac. Bah, au pire, je vous donnez-moi votre numéro et je vous recontacterai. Alors, On se fait hop, ça, rendez-vous. je vous donne ça tout de suite, hein. Hop, parce que je connais pas mon numéro par cœur, hein. Parce que ces enfoirés là de la ligne téléphonique me l'ont coupé là, je sais plus de tout mon numéro. Alors c'est 71 828. Je vous envoie un message. D'accord, alors attendez, je regarde si je l'ai reçu. Ah, j'ai bien reçu un message. Hop. Bah écoutez, c'est noté, j'ai tout noté de mon côté. Hop. Voilà, c'est bon. Impeccable. Donc on se recontacte pour voir ça, y a pas de souci. Hein. Ok, ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Hein. Et bah, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Et puis bah, n'hésitez pas. Hein. Bah, y a pas de souci de toute façon. Bon. Bah, nous on va avoir à faire là. Y a pas mal de choses à faire là ce soir là. Ouais, ouais, content de vous avoir revu voilà. Enfin. On doit aller voir au plus les UMS là parce qu'on doit se faire livrer des poches de sang. Enfin, toute une histoire est compliquée. Hein, toute une histoire. Ah, ouais. Ok, ok. J'ai le doigt qui pique là. Bonne continuation et bisous UMS. Ouais, merci. Hein. On leur fera des bisous, hein. Y'a pas de soucis. Ah, okay, okay. Ah oui. Bah, allez, passez une bonne soirée, messieurs. Passez une bonne soirée aussi, messieurs. Ah, bonne soirée. Attention, vous marchez, faut pas tomber. Hein. T'as vu comment je vais vendre l'assurance là? Bah, faut aller voir les EMS du coup. Comme un chef, hein. Comme un chef. Ouais, nous sommes derrière vous, nous vous conseillons, nous vous protégeons. Et hop. Oh. Allez hop. Ah les pires. Les pires. Il y a plein d'ambulanciers, j'espère. J'ai peut-être mettre un petit. J'aurais un petit message. Ah, y a pas de soucis. Je vais faire un petit tweet. Il va falloir que je vois après un peu plus tard. Je sais pas si je vois ça ce soir ou pas pour lancer la campagne d'assurance. Comme ça, ça sera fait. Les gens pourront réfléchir un petit peu, tu vois, pour envisager de souscrire. Donc pour l'instant, ça va être. Ça va être tendu, hein, vu qu'ils ne connaissent pas encore l'entreprise, hein, mais je pense qu'il y a un moyen de s'arranger avec, avec nos partenaires. Hein. Hop. Oh, j'ai soif, putain, c'est incroyable. Ah. Hop. Bah, tant pis. Ah ouais, je pense que ça peut être pas mal de lancer directement. T'en penses quoi toi? Bah, y'a pas de soucis. Hein. Parce que là, de toute façon, faut qu'on attende la réponse du coup d'un médecin là. Hein. T'es le responsable des médecins là. Qu'on peut aller voir. Bah, si aussi, on peut aller voir le concessionnaire ou le vendeur de l'auto. Ah ouais. Mais la question c'est comment on y va du coup? Comment on y va? Ah oui, comment acheter, comment aller chercher une voiture si on n'a pas de voiture? Leçon attends, numéro 1, l'autostop. Attention, on s'approche un peu plus. Là. Ah, une voiture qui arrive. Il y a une voiture qui arrive. Madame, s'il vous plaît. Oh. Madame, monsieur. On fait de l'autostop. Eh, mais monsieur, vous me parlez pas comme ça, hein. Eh, s'il vous plaît, monsieur. Ah, Barry, ça va? Ça va? Ah oui, c'est quoi il a fait le relais dessus? Oh là, il m'a rentré dedans.
Ah, non mais monsieur, vous vous prenez pour qui là, monsieur? Vous descendez tout de suite, hein, là, ça va pas du tout le faire là. Ouais, monsieur, hop. Ah, ouais, tu vas faire quoi là, tu vois? Ouais, tu vas faire quoi? Ah, pardon. Hein. Aïe! Voilà. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, j'ai. Ah, pardon. Non, mais c'est bon, c'est bon, frappe pas. Ah, mais j'ai voulu le calmer, c'est pour ça. Bah, du coup, sa voiture est libre, hein. Ouais, attends, je la gare, hein. Ouais, vas-y, gare là. Ah, t'as vu mon nouveau véhicule? Ah, ouais, je vois ça. Oh, il est joli. Ah, t'as vu? Eh, tu vas aller faire un tour? Ah, y'a pas de soucis. Bah, du coup, tu veux qu'on aille voir pour une voiture en concessionnaire? Bah, ouais. Allez, vas-y, en route, Simone. Hein. Ah, mais ta ceinture, n'oublie pas. J'aurais bien appris une ambiance pour lui, mais bon, tu vas bien. De toute façon, ça aurait pu pas. Ah, ça aurait été compliqué. Ah, ouais, tu marques. Ah, ouais, tu. Ok, deux suivants. Ok, ça fait. Ah voilà. Allez, c'est tout droit à partir de là. Faudra 1 km/h. Ah, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Dis donc, il y a pas mal de sonneries là, dis donc. Hein. Ouais. Oui, il roule vite à gauche. Hein. Oui, il roule vite. Bon, du coup, j'ai. Comment dire? Ouais, je vais te dire, je vais te laisser la surprise. Ouais, je vais te laisser la surprise. De quoi? Ouais, je vais te laisser la surprise. Tu verras. D'accord. Une petite surprise dans quelques jours. Tu verras. Et comment ça, une petite surprise dans quelques jours? Ouais, tu vas voir. Ça sera plus une surprise si je te le dis. Tu sais que j'aime pas trop les surprises comme ça. Hein. Et si tu vas adorer. Ça, c'est une petite surprise, c'est pas une grosse, c'est une petite. Et on fait la course? Ah, tu as fait tomber. Ah. Allez, attention quand même. Ah oui, attention, parce que ça peut faire mal. Hein. Allez, avance avec ton chariot de merde là! Pardon, hein. Hop là. C'est fait. Hop là. Dangereusement vide, hein, quand même. Ouais. C'est étrange, quand même. Hein. Ouais, c'est étrange. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans son bureau. Alors, attends, il y a un mot de marqué. Alors, restez là, ici, et ne bougez pas. D'accord. Oula. Ah oui, d'accord. Il est complètement transporté d'un coup. Là. Ah oui, tu vois. Ah, en 3D en plus, hein. Ah oui, non, c'est pas le même prix du tout. Hein. C'est combien là? Ah oui, 13 000 $. La bombe, elle commence à 18 000. Ça commence à 13 000. Ouais,
Ouais, non, mais la moins moche, j'ai dit. C'est l'acceptable. Il y a du joli qui saute très cher. Je pense que ça va être compliqué pour l'instant. Hein. Je pense que, effectivement, il va falloir que ce. Tu disais? Bah non, ça va être pour 40 compliqué. Oui, oui. Bon. Bah. Je propose. Exactement, j'allais te proposer ça. Hein. Ouais, là je. J'en ai trop vu là. J'en ai trop vu. La retraite, personne n'a la retraite. Non, bah d'ici quelques jours, ça serait bon. Je vais conduire, regarde, tu es blessé à la jambe. Ouais, mais c'est, j'ai pas mal hein. Ouais, ça fait la paix de tout. Hop, je pose. Alors, ah oui, il a dit qu'on pouvait aller voir le. Le moto éventuellement. Ah oui, bah. Ah, tu veux que je te mette le GPS hein? Allez, on roule Marcel. Hein. Ouais, c'est bon. Allez, hop, il est parti. Oui. Bah. En tout cas, tu vois, la ville est sympa. Mais du coup, il y a toujours monsieur Cal, il est en ville du coup? Ah, effectivement, je sais pas s'il est en service ou pas, mais effectivement, il est devenu capitaine de la LSPD. Ah, bah attends, on peut faire un tour. On peut passer le voir peut-être. Et par contre, la voiture est pas allumée. Hop, le petit créneau. On va l'emprunter. Voilà, on nous a gentiment prêté. Pas exactement. Et j'espère qu'il est là. Ah ouais, ça serait bête. Après, il est peut-être pas en service, c'est peut-être ça. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh! Bonjour, bonjour. T'es sûr que t'as le droit de passer par là? Où elle est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon bah je crois que non, y'a personne. Hop. Oh, on peut acheter un café. Ouais, j'achète un café parce que là. Un petit café, ça fera pas de mal. Et c'est de réveiller un peu. Merde. Oui. Bon, bah je crois que je vais garder en fait. Hein. Je vais pas du coup le boire. Hein. Hop, voilà. Tiens, je vais mettre mon café en fait. J'ai pas très soif. Hein. Tu viens? Ouais, je viens. Ouais, on va voir du coup. Ah, je suis déçu, hein. Franchement, là, qu'il soit pas là. Ah, moi aussi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on le verra demain. Ouais, c'est compliqué, hein. Tu vas bien? La portière était mal fermée. Ah d'accord. La sécurité avant tout. Hein. Bah, évidemment. Tout est question d'assurance. Hein. Il faut s'assurer qu'on est bien en sécurité. Il faut s'assurer qu'on a assez d'essence. Hein.
Ah oui, je sais très bien, on va y mettre sur la réserve. Bon game, je te permets de partager ta pub pendant mon live tous les lundis 21h. C'est pour les streamers, j'ai une grande communauté, cela aide à te construire sur Twitch, follow. Moi, et fais partie de la famille, dis-moi si cela te dérange. Bah écoute, c'est pas trop mon truc, mais après pourquoi pas, hein. Je peux voir. Alors attends, un peu. Ah ouais, t'as un petit problème avec... Ouais, là ça tombe, ouais, parfait. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonjour monsieur. Ah bah bonjour. On vient de, bonjour. De la part d'un ami à vous, chef. Monsieur Stone. Un ami à moi. Pas le mec aux cheveux blancs là? Ah bah, apparemment vous vous appelez chef, monsieur. Ah, il vous a dit que vous vous prévenez mes chefs. Donc, enchanté. Ouais, donc, on cherche un chef. Un Maximilien. Ah, c'est pas vous, chef? Bon, bah, tant pis. Non, bah, laisse tomber, c'est pas lui, chef. Mais si, c'est lui. Mais non, il a dit que c'était Maximilien, c'est pas lui, chef. Eh ben, ça fait, c'est ta sœur, non? Monsieur, vous êtes chef? D'accord, ok. Bah, chef du Sampro, ouais, effectivement. Eh ben, si, c'est lui, en fait. Monsieur Stone nous a conseillé pour éventuellement acheter une moto de venir vous voir. Ouais, en fait, vous toquez à la bonne adresse, ouais, effectivement. Ouais. Ah, parfait, parfait, je me souviens pas avoir toqué, mais ouais. C'est une expression, Barry, c'est une expression. Ah, bah, effectivement, je peux vous transmettre la gamme de moto. Après, j'ai pas encore d'image ni reçu de stock afin de vous présenter. Faut que je parle, voilà, faut acheter au niveau. Au niveau du producteur directement, du producteur, moi je reçois par cargo, je me fais livrer, voilà, ça prend un petit peu de temps. Tout ce que j'ai acheté, c'est l'enduro. Vous n'avez pas de stock là maintenant? Là, le stock en fait, je pourrais en avoir maintenant, mais j'ai pas de double à vous montrer en photo en fait. Ah oui, je vois, je vois. Pas de photo, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Après, je peux vous présenter en recherchant sur mon téléphone. Ou sur votre téléphone, je vous dis le modèle. Ah oui, on peut faire ça, on peut faire ça. En fait, je vous cache pas qu'on cherche des options, des alternatives assez peu coûteuses. Qu'est-ce qu'il vient de sortir? J'ai des trucs pas coûteux, ouais. Donc, ça dépend. Attendez, venez messieurs, venez messieurs. Ouais, très bien. C'est pas qu'on est radin, hein, surtout pas, faut pas croire ça, hein, mais... Ah non, faut pas comprendre. Simplement, on a des priorités. En fait, tout dépend de ce que vous préférez. Vous préférez plutôt... Les scooters, ah, les. Qu'est-ce que monsieur? Mais. Monsieur? Ah, ah, voilà. Oui, ouais. Excusez-moi. Du coup, je vous préfère les scooters, plutôt les tout-terrains, les sportives. La moins chère. Je sais pas, les roadsters. La moins chère. Ouais, mais tu sais, bon, prenez le prix. Et c'est le chinois. Vous voyez cette belle petite enduro là? Ah, elle est belle. Ah, oui. Elle est pas chère du tout. Ouais, c'est-à-dire. Alors. En général, quand on dit pas cher, c'est pas forcément bagage de qualité. Hein. Ah ouais. C'est 8 000 $ et la carte grise, c'est 800 $. Mais la carte grise, faut aller la faire au niveau du LS Custom, normalement. D'accord. Ah, très bien. Ah, on va pouvoir s'arranger. Donc, c'est 800 $, 10% du prix. Donc voilà, okay. Et celle-là à 8 000 $ si vous voulez, en stock disponible dès maintenant. D'accord. Celle-là elle est sortie du garage pour la policher. Sinon j'ai les restes, mais... La policher. Comment dire, faut que je les monte en fait. Je polish, tu polish, tu polish, tu polish, tu polish, tu polish. La nettoyer un petit peu. Mais je veux dire, sinon faut que j'ai les autres motos, mais en pièces détachées, faut que je les assemble, ça peut prendre... Ah, c'est comme les meubles IKEA, c'est à assembler soi-même. Ah ouais. Non, mais c'est que vous les montez mieux que les meubles IKEA. Les achète au producteur, et moi, vu que je suis vraiment à fond dans la moto, je les reçois en pièces, si vous voulez, par lot de cylindres, etc. Bref, des termes techniques. Ah oui. Ouais, je sais ce que c'est qu'un cylindre. Oui, non, on sait jamais. Voilà. Un petit carter. Moi, je les monte dans mon atelier. Dans mon atelier, je peux vous les mettre, je peux vous mettre un moteur plus ou moins puissant, après ça monte les enchères forcément, mais au prix de base, celle-là est à 8 000 $. Après j'ai d'autres motos si vous voulez.
Ça dépend de Ouais, ce que allez-y. je fais. Bon, attendez. Et sinon, vous avez quoi dans cette autour de prix-là en montant un peu éventuellement les patrons? D'accord, attendez. Je vais passer derrière le comptoir. Hein. Je vais passer derrière le comptoir, restez ici. Ah. Ouais, allez-y. Et il a l'habitude, à mon avis. Attends, monsieur, sinon j'ai des motos de type américaine. Vous voyez les Ah, pas pour moi, pas pour moi, pas pour moi. Ah là, c'est, je déteste ça, là, ça me. Ça, bah, ah, pardon. Ah bah, dites des doigts que je recherche plus sur mon téléphone portatif. Des motos américaines de type Harley. Ouais, vous avez quelque chose de plus de plus européen, des motos de type de plus européen, ouais, voilà. Roadster, c'est des roadsters. Les roadsters, c'est des motos de ville, mais avec un aspect physique mis en avant, surtout l'aspect physique. Et j'ai les motos sportives, mais on monte dans une gamme de prix, forcément, un moteur. Bah oui. Et dans les roadsters, vous avez quoi Dans les roadsters, qu'est-ce que j'ai À vous proposer, je pense, à, pour vous, monsieur, monsieur, il y avait quelque chose sur reprise, là. Ah oui, ah, c'est monsieur Jones. Vous allez être par-dessus. Oh, d'accord, monsieur Jones. J'ai monsieur la chasseur grise. Regardez sur votre net, vous, si vous pouvez monter jusqu'à 11 750, celle-là, elle est, ouais, c'est ça. 11 750, est-ce que c'est votre ordre de prix? Ah, ça peut s'arranger effectivement. Alors j'ai la défileur, regardez sur votre smartphone. Ouais, je vois, ça c'est un prix d'ami, hein, 11 750, ça sera pas. Ah oui, oui. Ah, j'imagine. C'est peut-être quelqu'un de bien sympathique. Oui, oui, bah oui. Il faut. Bah regardez, défileur, D-E-F-I-L-E-R. Ah non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas vous mal, effectivement. Quelque chose d'autre dans cette gamme de prix, dans cette gamme de moto? Vous préférez quoi? Un truc plus costaud ou plus fin? Ça dépend en fait. Un truc moins haut? Ouais, c'est juste. Ouais, c'est ce que je veux dire. Un peu moins haut. Je disais qu'elle a quand même une grosse prépondérance oui. Au niveau du. Comme une excroissance. Alors sinon je peux vous proposer une moto, vous êtes plus moto, c'est plus de la catégorie années 80, années 90, remis à la mode en édition limitée si vous voulez. D'accord. Ah bah pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, la PCJ 600 à 10 000 $. 10 000 $ la PCJ 600. Ah elle est pas mal, ouais elle est pas mal. Ah, moi je l'ai. C'est le moteur d'origine, hein, que le moteur d'époque, mais remis à neuf, si vous voulez. D'accord. Bah, écoutez, moi celle-là, elle me plaît bien. Et en ouais, entièrement par moi-même. Hein. Je l'ai pichonné moi-même. Hein. Ah, ouais, celle-là, elle me plaît pas mal. Ah, vous conviendrez? Ouais, effectivement, ouais, je conviendrai. Entre après, nous, Barry, si il peut qu'à trouver les fonds. J'ai d'autres motos, hein, si jamais. Ah! Et vous avez quoi d'autre du coup? Vous préférez peut-être un peu plus récent? Et vous avez quoi de plus récent? Allez-y. Alors, j'ai la Vader. La Vader, elle est à 11 000 $. La Vader. V-A-D-E-R. Comme Vador, mais on remplace le. Ouais, pas mal. Ah, c'est celle-là que je veux. Bah, je veux la Vader. Hein. Voilà, renomme en Vador et c'est nickel. D'accord, vous êtes plus de dark alors. Hein. Ah, ouais.
Et vous avez encore le code de surprendre ou c'est tout? J'en ai encore. Il y a d'accord sur le K-pop et dis donc. Aïe! Eh ben tu vas bien ou... Mais t'avais elle est un peu plus cher sans me cacher quoi. D'accord. Plus cher, c'est quoi? C'est-à-dire? On passe à 14 000 dollars. Ouais bah non c'est mort. Ah. Bah dites quand même. Ah. La Vortex, mais c'est vraiment puissant. C'est un moteur toute compétition. Celle en carbone. Voilà. Je peux pas vous vendre mieux que ce produit pour aussi peu cher, hein, pour pas vous mentir. ABS à l'avant. Et si on dit 13 000 dollars, vous freinerez jamais mieux avec 13 000 dollars, monsieur. Si on dit 13 000 dollars. Ah oui, parce que 13 000 dollars. Ouais, sinon c'est impossible. Hein, dans tous les cas, 14 000 c'est impossible. Donc, 13 000, il y a peut-être une paix que je vais arranger. Bon, réfléchir un petit peu, je vais regarder le. Je vous laisse réfléchir. Parce que là, je veux pas vous mentir que je suis tout de suite moins gagnant dans l'affaire. Bon, vous m'avez l'air sympathique, messieurs. Vous serez tous les deux à la prendre si. Oui. Si vous en prenez un, vous prenez les deux. Après, c'est celle que tu préfères, David. Si tu préfères. Écoute, moi je prends celle-là aussi. Donc les deux pour 26 000. Les deux pour 23 000. 23 000. Vendu. Les deux pour 23 000. Vendu. Ouais, 23 000 coup... les deux. D'accord. Parfait. Écoutez, on va aller chercher les fonds et on revient dans deux secondes. Bah, pas de soucis. Bah, moi, je vais comment dire, chercher la moto en haut et je reviens. Ouais. D'accord, très bien. Bah, y a pas de soucis. Ah, merci encore. Et on revient tout de suite. Hein. Je te laisse conduire. Bah, Ah, c'est dommage, hein, à vous donner notre belle voiture. Et ouais. Elle nous a coûté si cher. Hein. On est bien d'accord, 13 000 plus 13 000, ça fait pas 23. Hein. Chut. Ah mais c'était juste pour ça, voilà. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit... Parce que okay, du coup ça fait 11 500 la moto, hein. Ah ouais, justement, c'est pour ça. Ouais, c'est, tu vois, on est passé de 14 000 à 11 500, mais... Bah je pense qu'il sait pas compter, là. Ah ouais, ça faut... Je pense qu'on va éviter le dégât. Hop. Bah du coup, va falloir demander à la banque après, là. Ah, effectivement. Je sais pas si elle va l'accepter. C'est un. Je sais pas là. Ah, ouais, non, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Là, c'est pas sûr du tout, même. Mais dans tous les cas, il nous faut un véhicule pour pouvoir être en ville, tourner en ville. Ah, hein, oui, c'est sûr. Pour pouvoir se déplacer pour nos différentes professions. Donc, oui, c'est sûr. À partir du moment où on voit le prix de voiture, voilà, il faut investir. Le moto, on a réussi à avoir un très bon prix. Voilà, on se collait à ce prix-là. Ah oui, c'est sûr. On est d'accord. Tut tut tut. Ah, j'étais obligé de klaxonner. C'est quoi, il passe devant moi? Ah bah oui. Ah bah c'est tout à fait normal. Hein. Ah oui, ça avance pas. Par contre, ça c'est pareil. Partout aux États-Unis, ça avance pas. Dans la route. Mais c'est à cause du taux d'alcoolémie, moi je sais, c'est pour ça, moi je le sais, parce que leur taux d'alcoolémie est 0,8 grammes. Oui, c'est n'importe quoi. Et du coup, ils conduisent tous en état d'ivresse. Du coup, ils avouent ça rien. Bah oui, forcément. Et ben voilà. Et du coup, il y a plein d'accidents, et la VSPD est débordée. C'est pour ça qu'on les voit pas, Kyle. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah bah oui, non, c'est sûr. Tout est logique, hein. Tout est logique. Ah, c'est forcément plus. Pas de trois raisons qui s'expliquent. Ah bah non, moi non plus.
Mais messieurs, ça va être compliqué de tourner là. Hein. Hey, vas-y, mec. Allez-y. Hop là. Double par la droite et hop là. Allez, c'est autorisé aux États-Unis. C'est 0,8 mètres le déplacement par la droite autorisé. Ah bah oui. Ah bah oui, ça colle. Hein. Ah bah oui, ça colle. Hein. Du coup, tout s'aligne. Les astres s'alignent. Et voilà. Du coup, on a le droit de tirer 0,8 balles. Hey, watch it, man. Hop là. Hop, 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 hop. Bah du coup je pense qu'après faudra lui vendre aussi hein, l'histoire moi je lui vends l'ouverture. Ah bah d'ailleurs, est-ce que t'as un peu de sous? Mais moi j'ai un peu de sous. Comme si je peux t'ouvrir ton livret bleu. Ouais, prendre des sous sur ton côté, je t'ouvre. Bah, je dois bleu. Avoir 2500 sur mon compte. Ah bah prends 1000 et mets les après. Ah ça marche, hein. Ah bah oui. Ah le deuxième client de la banque. Voilà. Alors, tu l'as reçu? Ouais, alors attends, hop là. Eh, tu peux me remettre une facture de 500 dollars aussi. Hein. C'était 1500 dollars à l'origine. En fait, j'avais plus sur mon compte, j'étais à 3500. Impeccable. Bon, ça c'est fait. Ah oui, maintenant faut retirer. Clac, clac, clac. Ouais, c'est pour la bonne cause. Hein. Ah, d'ailleurs, t'es top permis moto? Ah, bah oui, bah j'ai passé mes permis moto du coup. Hein. Ouais, oui, si je pense que je vais faire ça. Hop. Ah, faudrait qu'on lui demande son numéro aussi. Il faudrait qu'on fasse l'emprunt du coup. Après. L'emprunt à la banque? Eh ouais. Ah, là, c'est le véhicule des services. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis bête. Attends, je vais retirer un peu d'argent pour le permis. Ah oui, oui. Hop, et combien le permis moto? Je sais plus, mais moi j'ai retiré 800, je sais que c'est en dessous de 800 dollars. Ouais, attends, je vais retirer un peu. Il est parti où?
peu là. Allez, c'est parti. Et voilà. On n'a pas intérêt à le foirer, hein? Non, pas du tout, hein, parce que là, sinon, je sais pas comment je vais faire. Hein. Alors, remarque que j'ai encore à côté pour pouvoir le faire quand même. Hein. Ça devrait passer. Hein. Ouais, mais bon. Bah, il y a doucement et ça devrait le faire. Oui. Comme d'habitude. Ah, il y a parking juste là, parfois. Ouais, ouais. C'est un peu tendu ce que tu nous as fait là. Mais non. Ouais, c'est sûr. Oh, la galère du truc.
Et ben voilà, c'est réussi. Bon bah je recommence hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y a un moment, il m'a dit, j'étais avec les examinateurs du coin de l'Oriette, et il me dit, vous avez fait 3 erreurs, 4 erreurs, 5 erreurs. D'un coup là comme ça, paf, hop, j'ai pas compris. Ah ouais, mais je t'avais dit, en fait il se salope parce que t'as tes cheveux marrons et que t'as des lunettes. Ah je vais les frapper, ces enculés. Ouais non mais ouais, attends je vais bien t'es, je vais bien. Non mais marre, les frapper. Ah, mais je croyais qu'on n'avait pas de salaire. Ah bah oui, mais après on l'a réglé. Il faut bien le salaire. Ah bah oui. Mais du coup, on a mis quel salaire? Ah oui, mais si on a pas de salaire, comment? J'ai mis assez bas, 500. 500 dollars. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah bah du coup, je vais aller retirer de l'argent. Ah, t'es pas possible. Bon bah, je vais en profiter pour... rien du tout, en fait. Eh ben non, tu fais rien du tout, tu m'attends. Hein. Okay. Eh, tu m'attends. Hein. Non, non, tu m'attends, tu m'attends. Ah oui, que je t'attends. Pardon. Je vais aller chercher tout seul. Elle est où la voiture? La voiture, elle est où? Ah merde. Elle est où la voiture? Mais merde. La fourrière du... Ah ouais, non, ça c'est... Ah merde. Eh ben merde alors. Attends, je crois que j'ai un peu de cash. Est-ce que j'ai un peu de... Ah merde, non, mais j'ai juste... T'as combien de cash sur toi encore? J'ai 146. Oh merde, j'ai 400... J'aurais pu te donner 400 dollars. Tino, t'inquiète pas, j'y vais, j'arrive, je reviens. Hein. Ah, le gros malade. Je suis complètement mort, regarde-moi. Regarde-moi. Mais la malaise, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Elle est où? On m'a dit qu'il y en avait une par là. Poussez-vous. Ouais, ça va être long. Hein.
Mais le Barry? Oh, et bah écoute, je prends après ça. Eh, tu m'attends? Ah putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Allô? Allô, allô? Mayday, mayday. Je répète. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Et sinon, on fait un truc. Il va pas décrocher. Putain, mais qu'est-ce qu'il est sérieux? Il est juste à côté, quoi. Mais non. Comment je peux faire? Hop. Mais attends, il y a un petit problème là. Pourquoi as-tu pris 1000 dollars en plus? Coucou. Tu m'attends? Oui. Et pourquoi as-tu pris 1000 dollars en plus? Comment ça? Comment ça? Elle est bien d'accord que c'était 23 000. Ouais. Et il y avait 235. Ouais, et il reste ouais. 211. Si l'on fait la différence... Attends, attends, attends.
On avait 235. 235. Oui. Et j'ai pris 24 000. Non, 23 000. Ah bah 235 ah moins non, 200. Mais c'est parce qu'on a eu le salaire. On a eu le salaire. Ah oui. Il est bête celui-là. Ah oui. Et quelques. Bah, y a des gens avec qui étaient le temps. Ouais, tout ce qui est Sweetie et tout, ils sont tous partis. Parce que j'étais plus à cause de leur changement, mais j'ai pas fait stopper et rejoindre la zone dessus. Cool. Elle était Adelia. Adelia Wise. Oh, du coup, on va. Hop là. Bon, et ben c'est reparti. Hein. À tout à l'heure. Ouais, mais du coup, ouais, tu l'as eu. Ah oui, je l'ai eu. Ah, parfait. Bon, j'espère qu'il est toujours là. Eh ben écoute, oui, j'espère. J'espère qu'il est toujours là, effectivement. Ouais, ça sera pas mal. T'as essayé de l'appeler ou. Bah non, j'ai pas son numéro. Ah merde, ah bah oui. Ah, j'ai un appel. David Pierce au téléphone, oui bonjour, quoi puis-je vous aider? Tu m'entends? Monsieur, vous m'entendez? Allô? Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, je vous reçois, monsieur Pierce. Que puis-je faire pour vous? Oui, c'est monsieur Stone, le patron du LS Custom. Ah oui. Oui, je vois, oui. Je viens vous contacter pour demander un devis pour une assurance. Alors oui, y a pas de souci. Écoutez, là en fait, je suis un petit peu embarrassé puisque je suis actuellement en voiture pour faire quelques achats tout simplement. Ça serait pour quoi comme véhicule? C'est pas pour un véhicule, c'est pour une entreprise. D'accord. Bah écoutez, c'est pour le LS Custom, c'est ça? Oui. D'accord, donc ça serait plus prendre un rendez-vous plutôt, non? Pour ce genre de choses, ça serait plus simple peut-être que par téléphone. Oui. Oui, c'est pour moi un devis ou un rendez-vous pour voir. Oui, bien sûr. Mais du coup, vous serez disponible quand, à partir de quand, enfin, au niveau de vos horaires? Bah, dès que vous êtes disponible, là, on peut se rencontrer. D'accord. Bah écoutez, moi ce que je fais, c'est que là j'ai un petit contretemps là pendant quelques minutes là, et puis bah dès que c'est terminé là, donc d'ici une dizaine de minutes normalement si tout est bon, je joue au téléphone pour vous tenir de ma présence. Très bien. Bah, dans ces cas-là, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. Au revoir monsieur Pierce. Je vous en prie, bonne journée. Et voilà, c'était monsieur Stone pour un petit partenariat avec le LS Custom. C'est même eux qui m'appellent, c'est incroyable. Bon, on va chercher le moto. Ah oui. Quand même. Et du coup, on va la chercher. Ah oui, c'est à côté. Ouais, tu me croiras jamais. Mais tu vois cette voiture, c'est quelqu'un qui l'a laissé là avec les clés sur le contact. Non, c'est vrai? Ah bah vraiment. Ah ouais. Eh bah. Un beau citoyen, il savait que j'en aurais besoin. Paf, il le laisse là. Eh bah c'est vraiment sympa, hein. Ah c'est vraiment vraiment sympa. C'est pas de sympa. Non, l'honnêteté, hein. L'honnêteté des gens. Ah c'est incroyable, hein. Ils sont débordants de générosité. Ah bah. Moi des gens comme ça, mais j'adore, hein. J'adore, c'est magnifique. J'ai laissé là, j'ai besoin qu'il a un GPS pour la retrouver. J'ai pas laissé le numéro de téléphone. Allez. Y'a personne. Bah attends, sinon je passe un appel. Y'a quelqu'un? Oula, Barry, je crois qu'il y a il y a certaines personnes qui font de l'art contemporain par ici. Viens voir. Regarde, c'est assez magique. Hein. Attention, abracadabra.
T'as vu? Ah, c'est de l'art contemporain, moi je te dis. Hein. J'espère que c'est pas ça, une moto. Eh ben, ça mérite une petite photo. Hein. Tu veux pas te mettre devant là, comme ça, hop, regarde-moi. Et souris, hein. Allez, et cheese. Allez, attends, non, j'ai dit souris, hein. Fais pas la gueule, hein. Ouais, attends, en fait. Allez, attention, 3, 2, 1. Non. Attends, putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait? J'essaie de m'aspirer. Ah voilà. Attention, 3, 2, 1. Impeccable, c'est dans la boîte. Ah parfait. J'envoie ça au Five News. Ah bah non, c'est vrai, y'en a pas. Ah là là. Eh bah oui. Eh bah du coup, alors attends. Hein. Voilà, j'ai appelé un dépanneur moto, je sais pas s'il vient de venir. Ah. Ah, quelqu'un arrive. Hein. J'ai fait une demande de dépannage moto, hein, puisque visiblement il y a quelques petits soucis là-bas, donc. Ouais. Quelqu'un arrive. Hein. Ouais, t'as bien fait. Bon, par contre, je t'avoue que je commence à avoir faim et soif un peu. Hein. Ah, t'as pas acheté quelques petits trucs à la super? Tiens, tu veux un café? Tiens, hop. Non, c'est bon, j'ai pas envie de café là. Non, mais ça va faire. Non, t'inquiète. Tiens, tu veux un peu de pain? Non, mais c'est. Ah, bah ouais, pourquoi pas. C'est gratuit. Hein. Ah, d'accord. J'ai un peu de pain et de vin. Ah d'accord. Bon, t'as du café pour moi. Par contre, t'as un, vivement que j'ai entendu dire qu'il y avait un bar qui allait ouvrir. Ah bah je t'avoue que le café, je commence à saturer. Ouais, le paillot, hein. C'est par-dessus le crâne. Ouais, c'est vrai. Tu vas aller visiter les lieux. Ça m'a fait fort sympathique, hein, quand même. Alors. Ah, c'est sympathique, Oh là 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 là. Je sais pas si on a le droit d'y toucher, hein. Moi je reste pas là, je veux pas être impliqué là dedans, des caméras de surveillance c'est bon. Hein. Un peu là.
vote. Bah quelqu'un arrive, quelqu'un arrive. Et... Ouais, ouais. C'est un peu lourd quand même, hein. Ouais, bah on attend. Après, les victimes, on est pas si sympa, hein. Comment ça? En plus, les machines, elles marchent même pas. Même pas de place à acheter un bois. Bobo. Ah ben, bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer pour l'assurance? Bah, techniquement, elle a même pas besoin de lui. Bah techniquement non. Hein. Mais je vais demander pour voir si on peut pas avoir des tarifs, tu sais. Ah ben, mais par contre, faut qu'il s'assure lui. Sinon, il va être. Ah bah je vais lui demander que du coup toute voiture qui sort de son concessionnaire soit assurée obligatoirement chez nous. Hein. Ah c'est ça, voilà, toute voiture doit être assurée. Et voilà, c'est ça. Je pense que déjà avec ça on pourra se faire pas mal de fric. Hein. Et puis après si jamais... Ah bah je sais pas, mais enfin si c'est du même niveau que 13 et 13, 23, moi je vais bien. Hein. C'est sûr. Je vais tenter le tout pour le tout, non, et puis si vraiment il veut du compromis, bah, je vais trouver un compromis, et puis voilà. Ouais. On trouve toujours un terrain d'entente. Ouais, t'as raison. Là, il vient pas, monsieur. Ouais, là, je commence à m'énerver. Là, ça va. Ça va commencer à me saouler. Pardon. On lui enlève 1000$ du coup pour le retard. Ah bah oui, bien sûr. On lui enlève 1000$ déjà sur toute la somme qu'il nous a déjà enlevé. Hein. Ah oui. On refait un appel. Du coup, je refais un appel. Alors attends, hein, je vais poster sur iTweets, hein, je reviens. Hein. Ah ouais, vas-y. Ah, le pire quoi. Steam. C'est là. Merde, 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 merde.
Alors, hop, on va envoyer ça. Et voilà, c'est bon, hop, c'est fait. Hein. Elle est très bien réalisée. Ah, je pense qu'avec ça, il va rabouler de suite. Hein. Le toit? Ah regarde, il y a quelque chose de sympathique sur le toit. Erreur de. Ah ouais? Ah oui. Ah vas-y, monte à l'échelle. Elles arrivent, hein? Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Va falloir qu'on me parle là. Hein. Attends, je me sers, je vais prendre une petite bière. Hop. C'est pour la tente, ça. Voilà. Ouais, ils ont pu faire de belles soirées ici. Là c'est clair, là. Eh ben dis donc. Ah, le voilà, le voilà. Et hop là. J'ai pas perdu ma souplesse de la speedy malgré mon petit handicap quand même. Ah, j'imagine. C'est toujours été assez souple. Bah dis donc, deux pour le prix d'un. Attends, vas-y, on remonte quand même. Ah, c'est ça. Ah, tu bottes quand même un peu. Un petit peu, bah ça dépend en fait. Des fois, ça. Je recommence à botter, ma lampe me lâche. Mais je perds pas confiance, je suis sûr qu'un jour on trouvera une solution. T'inquiète, t'as pas eu. Je connais des prothèses. Tu n'imagines même pas, même pas. Ouais. Ça serait bien qu'il se dépêche quand même un peu, hein.
Ah bah c'est toujours intéressant d'attendre. Voilà. Hop. On avait dit quoi, 13 000 ouais, pour les vortex, c'est ça? Ah, on avait dit 23 000 pour les deux. Ouais. Parti. Je fais la facture à qui? Parti. À monsieur. À moi-même. Allez-y. Je vous signe ça de suite. Voilà. Hop, c'est ça, j'étais descendu tout à l'heure. Allez-y. Bonjour monsieur. Pardon. Ah oui, je vous disais ça peut. Bonjour monsieur. Ah ouais, bonjour. Vous travaillez ici par hasard? Non. Ah pas du tout. D'accord. Oh vous êtes policier. Ah, pas du tout. Ouais. Pourquoi? Je ressemble à un policier. Non mais c'est tes cheveux, c'est pour ça. Parce que t'en as pas. Ah, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Tu fais peur, non mais tu fais peur, j'ai toujours dit que tu faisais peur aux gens. Ouais, mais comme ça c'est certain, ouais, c'est vrai. Ah, non, en fait c'est juste qu'on dit bonjour et après vous travaillez ici. Ah, on essaie juste d'engager la conversation. Attention, poussez-vous. Monsieur, là, vous voyez juste avec monsieur. Hop, vous voulez vous donner un petit véhicule? Ah, avec grand plaisir. Hein. Attendez, par contre, il faudra passer Valais tout ça, hein. Faire homologuer. Hein. Ah, évidemment. Attendez monsieur, celle-là c'est la vôtre. Nickel. Nickel, je vais vous donner les clés. Hein. Tenez, prenez vos clés. Hop. Voilà. Par contre, vous passerez au Los Santos Custom. Il a reçu ma note de frais. D'accord. Comment est-ce que. Enfin, j'arrive pas à faire fonctionner la clé en fait sur le véhicule. J'avais pas oublié que la clé que vous m'avez donnée. En fait, montrez-moi votre clé. Voilà. Ouais, sur le bouton là en bas, ça fait c'est un bouton en forme de U. Faut appuyer de ça, ouais. Dessus là. Ouais, ça fait rien en fait. C'est comme appuie si sur le bouton d'en haut là en forme d'Y. Appuyez sur le bouton d'en haut en forme d'Y. Attendez, je vais ici toquer avant dessus. Allez, y'a pas de soucis, moi ça fonctionne. Hein. Ah non, ça veut pas. Enfin, c'est bizarre, hein, parce que votre projet ça fonctionne. C'est comme si j'avais pas les clés du véhicule en fait. Ah, vous aussi, vous les avez, si vous les donner. Là ça marche quoi hein? Non, négatif. Et à côté de la rouge. Hop. Et bah la rouge, il n'y a pas de soucis, hein. J'ai bien reçu les clés, ça fonctionne bien, j'ai bien fermé le véhicule, il n'y a pas de soucis. Hein. Ah non mais c'est comme bizarre. Si... Ouais, c'est les... Ouais non, encore une fois, ça me met... T'as vu que la translation, c'est comme si la translation n'existait pas en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est des clés qui se désappairent du véhicule comme vous les donnez. C'est un problème d'élan.
peut-être essayer demain, peut-être essayer demain. C'est peut-être des fois il y a un petit. Le temps que le circuit fasse plusieurs tours, c'est compliqué. Avec surtout, je vous ai dit, c'est la nouvelle gamme de technologie, c'est compliqué. Si votre collègue ça marche, nous ça devrait marcher, c'est la même série donc ça devrait marcher. Est-ce que vous permettez que je prenne votre moto de petites secondes, monsieur? Allez-y, allez-y, essayez. C'est quand même que c'est arrivé ces choses là. Ah ouais. Bon. Mais bah, je sais pas ce qu'il est parti faire là. Bah, je pense qu'il est allé vérifier le système de lock. Bah je pense aussi, ouais. Bah, c'est bizarre que ça fonctionne de mon côté. J'ai changé les piles, ça devrait marcher là peut-être. Hein. Attendez. Allez, essayez. Je vais vous clé. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, monsieur, bonjour. Hop. Eisenberg. Oh, Eisenberg. Ah, vous êtes monsieur Eisenberg. Ah, ta bagnole là. Ouais. Je te l'ai mis derrière. Par contre, t'évites de rouler avec. Ouais, t'inquiète pas, je vais la ranger. Eh, franchement, cyber, hein. Ouais, de rien. Ouais, c'est un fils de pute, le keuf. Hein. Non, j'en sais rien, mais. Voilà quoi. Non, bah merci, tu me rends service de ouf. Par contre, faudra que tu fasses les cartes grises des messieurs. Hein. Après, du coup, ouais, comme je t'ai dit. Ah, de toute façon, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir monsieur Pierre. Ah, faut que je vois pour que. Ah, oui, bah y'a pas de soucis. Ah, mais... Monsieur Pierre, c'est monsieur. Jones. Jones. J'ai eu contact avec eux. Jones, Pierce et Baston, c'est ça? Oui. Ah nickel. Ouais, n'hésitez pas messieurs si jamais vous voulez ouvrir des petits livrets bleus à la banque hein, pour sécuriser votre argent. Hein. Ou si vous voulez ouvrir un compte entreprise pour une assurance. Ah ouais, moi je vais vous voir pour une assurance. Pas du plaisir. J'imagine, monsieur Stock, que vous n'avez pas d'autres véhicules de ce genre en stock. Essayez de réparer celui-là. Ah, celui-là, c'est-à-dire que si j'en sors, ça va encore me coûter manufacture. Putain, mais comment on fait? C'est un peu compliqué quand même. C'est la galère là. Je vais en parler avec le mécanicien qui me les produit. Mais en attendant, utilisez la lambda. Vous mettez l'antivol au pneu. À la roue uniquement. Ouais. Qu'est-ce qui. Oh essayez de la rentrer peut-être dans votre garage. Essayez là de la rentrer dans votre garage et de la ressortir et en parler au contremaître. Au contremaître du garage, peut-être que lui va pouvoir réparer tout ça. Et sinon, ouais, vous mettez l'antivol au niveau de la roue et vous passez vous revoir demain. Puis. Ouais, très bien. On va faire ça. Et n'hésitez pas pour les customs, si vous voulez peindre votre véhicule, j'ai mis mon petit stand dehors. Pour peindre et augmenter les performances. Putain sa mère. Pardon, excusez-moi. La violence te résout rien. Ah ouais. Je sais qu'il est peut-être un peu bizarre, mais c'est pas la peine de l'attaquer non plus. Chacun fait avec ce qu'il peut. C'est différent ça. Bah
Bah du coup, si vous voulez améliorer les performances, n'hésitez pas, changer les couleurs, n'hésitez pas. Bah on n'hésitera pas, vous inquiétez pas. Y'a pas de soucis, on prend note. Vous suivez Monsieur Stone pour faire la carte grise et c'est ça le plan. C'est 1300$ la carte grise. Ah oui, c'est ça. Bon. 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 Monsieur Stone. Oui, excusez-moi. Monsieur Stone, Monsieur Stone. Du coup, on vous suit pour faire la carte grise, c'est ça? La carte grise moto ou voiture? Moto, c'est toi qui t'en occupes, frère. Moi, j'ai pas encore passé mon stage. J'ai pas encore eu les documents officiels pour les cartes grises. Bah, attends, viens. Excusez-moi, messieurs. Barry, est-ce que t'as vu l'alerte là? Ouais, je pense qu'il va faire 30 minutes. Ah, ça va. De rentrer tranquillement. Ouais. Jean-Pierre, 30 minutes. Hein. News, hein. Ouais. Et par contre, au Fave News, il n'y a personne pour prendre des annonces. Hein. C'est, je trouve ça scandaleux. J'adore ce système de tornade. Un véritable scandale. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, bah oui, clairement. Donc, je peux pas me révolter pour toi. Ah, bah non. Ah, bah dodo. Ah, bah 3. Bah du coup on fait quoi là, parce que concrètement là... C'est une bonne affaire qu'on a fait là. Ouais mais concrètement là il nous faut quoi là? On va aller à mon garage, on va faire les papiers, tout ce qu'il faut. D'accord, très bien, y'a pas de souci. Hop là. Oh bah messieurs, bon courage, hein, bonne journée messieurs. Et bonne journée à vous aussi monsieur hein. Peut-être passer d'abord retirer un petit peu d'argent pour payer la facture, non? Ah oui, non, non, pas sûr. Pas sûr à la banque au passage. Même sur la route, quasiment. Ah oui, ouais. Parti! Attends, faut le laisser aller tout seul là. Mec, je sais pas où est-ce que c'est. Allez hop, c'est parti. Hein. Oh là 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 là, mais c'est même pas permis quoi de faire se rouler à cette vitesse là quoi. Il est parti où? Putain de merde. Ça faut que je passe par là. Hop. Ils ont de l'argent ceux-là. Mais on a de l'argent
On a juste les comptes de la banque, c'est tout. Hein. Pour l'instant, on n'a rien acheté de personnel. Hein. Ça, c'est juste les comptes des véhicules de l'entreprise. Il a merde, il y a l'X, c'est combien? 1300, je crois. Je prends 1500. Hop. Tac. Regarde. Hop, on va l'appeler. Où est-ce qu'il est parti ce foutre? Hop. Putain, il va pas répondre. Et où est-ce qu'ils sont partis se foutre quoi? Oh. Putain, mais c'est pas possible quoi. Ah, ça marche quoi avec la voiture. Putain, comment je vais faire? Sinon je vais l'appeler. Putain, je suis saut de coin avec paumé quoi. Bon, 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 ça va être cool d'attendre. Alors, hop. Dans le garage. Mais dans le garage, dans le garage. Je vais voir si je peux pas rentrer avec. Je suis pas con pourtant. Putain, ben c'est moi qui ai un problème ou... Ils l'ont fermé, bah ouais, mais là ça va être compliqué de rentrer. Attends, je vais l'envoyer à P. Tac. Ah, visiblement c'est ouvert. Ah voilà. Impeccable. Je comprenais pas, la porte voulait pas s'ouvrir. Je restais que. C'est automatique. Eh bah oui. Excusez-moi. Ah bah y'a pas de soucis.
Donc c'est la moto rouge à faire la carte grise? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la nouvelle moto rouge. C'est le même modèle que votre collègue? Ah oui, c'est ça, c'est exactement le même. Bah, on a pris un petit parfait groupe en fait. Non, bah, ça va. Ça va être rapide alors le vôtre. Venez sur mon live et go sub bande de singe. Ça va, Captain? Ah putain, je vais tellement pas assumer demain matin. Ah, faut que je fasse la campagne de pub aussi, putain, j'ai oublié. Oui, bah je vais remplir ça sur mon ordi et je vous passe tout de suite la carte. Y'a pas de soucis. Je vous écoute, monsieur, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, 8, 6, 4, 2. Ouais, c'est sûr, j'ai un numéro. Ah, c'est noté, monsieur Joe, c'est ça, je suis pas pensé. Et tenez, monsieur. Hop, impeccable. Ah, parfait. Et donc, la carte grise. Et puis, bah, ça vous fera une facture de 1 300 $. C'est ça, c'est bien ce qui a été convenu. Y'a pas de soucis. Allez hop. Tenez, monsieur. Et à tout hasard, et voilà. Les taux. Impeccable. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bah, je vous en prie. Là, de toute manière, là, je sais pas si vous êtes disponible, mais je vais retourner à la banque pour faire la paperasse un petit peu. Donc, si vous êtes disponible, y'a pas de soucis. Hein. Ah bon, bah oui, je serai disponible. Oui. D'accord. Je vous permets de noter votre plaque. Et je vous recontacte. Et puis. Et puis c'est bon. Y'a pas de soucis. Ça sera tout pour votre moto. Ouais, bah oui, je le doute. Bah je pense qu'on aura un peu plus d'argent sur moi. Comment je vais réussir à négocier, quoi? À votre collègue aussi. Faudrait que j'arrive à faire en sorte que tout véhicule qui roule ait une assurance. Vraiment, mais pas mal. Hein. Sachant qu'il n'y a pas de gouvernement pour faire de loi. Je dirais pas que c'est la meilleure bécane que j'ai, mais elle est pas vraie. Et voilà, monsieur. Très bien. Hop. Ah oui, vous voyez. Ah, je vous ai pas mis le doigt dans. Là où je pense, là. Oh là. Ça a l'air d'être sympathique comme discussion par ici, hein. Ah oui, effectivement, le monsieur était ah, très pas tiré par moi. Ah putain, mais 500 $ de salaire. Mais je vais lui dire de baisser, c'est pas possible. Alors, l'origine devait même pas y avoir de salaire, quoi. Oh. J'aime pas, c'est de l'argent facile. Ah, c'est pas ok, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, bon. Jamais vous voulez modifier, quitter vos motos. Vous avez mon numéro, enfin, je vais vous envoyer un petit SMS, monsieur. Allez-y, comme ça on peut vous faire dans le précieux. Et tu me transmets le numéro du coup, John, ça. Ouais, Zenberg, envoie-moi ton numéro là. Ouais, je vais te faire ça. Ah, bon numéro. C'est le 12 579. Je vais le noter directement. Ouais, c'est noté. 12 370. Merde, comment ça se fait? Moi je t'ai envoyé. Oh, je sais même pas du tout. Oh, hop, on va mettre comme ça. 12 570. Voilà, voilà. Ah là là là, Heisenberg, on va mettre comme ça, c'est très bien. Impeccable. Bon, et bah moi de toute façon je pense que je vais retourner du coup faire quelques petits bouts de paperasse à la banque. Je sais pas si tu vas faire de même. De toute façon je viens vous voir. Y'a pas de soucis. Hein. Ah, y'a le boutique qui a intéressé. Oui, ouais, y'a pas de soucis, c'est pour ça. Et puis n'hésite pas aussi, hein, monsieur Stone, si jamais vous savez aussi.
des livrets. Vous pouvez venir ouvrir un livret d'épargne chez nous. Ah, ça peut, oui. Tout à votre intérêt, hein. Évidemment. Laissez-moi me faire de l'argent et je mettrai de l'argent de côté. Ouais, pas de soucis. Sur ce, merci à vous. Hein. Merci à vous. À vous aussi, monsieur John. Bon, bon. Bah, écoutez, bonne soirée à vous et puis bah, à tout à l'heure, du coup, monsieur Stone. Hein. À tout à l'heure, monsieur Pierre. Je vous envoie un petit message quand je serai disponible. Hein. D'ici 5 minutes. Bien. Hein. Reste là. Est-ce qu'il y a parking à prendre avant? De quoi? Tu disais? Je me demandais s'il y avait un parking près de la banque. Non, je crois pas qu'il y ait de parking près de la banque. Hein. Non, pour moi, le seul parking que je vois, c'est au centre. Hein. Au garage, c'est à côté de Pôle emploi. Hein. Ah bah, ouais. Bon, de toute façon, go à la banque et ensuite. Ouais. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il est parti? Hop, on va préparer tout ça pour l'accueillir vite fait. Soixante-quinze, 506. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. 75 506.
Eh ben oui. Mais lui dit. Là, je sais pourquoi. Faut mettre le véhicule à l'abri. Faut que je me dépêche. Ça serait un peu con de le perdre dès maintenant. Merde.